Oh bâtard. J'avoue, c'est suicidé l'autre pendant qu'on se tapait dessus depuis tout à l'heure. Oh l'arnaque! Oh l'arnaque dans l'autre sens! Château centre! Une chatte partout, la château centre, hein, le fameux concept. Ah, je suis bientôt mou! Ah, le détail qui tue! Ok, donc les règles. Full Xul. Parce qu'on est tous intelligents. On a que le droit à la side sig. Enfin, que le droit au sig, que le droit au sig, toutes les sig. Que des armes lourdes, que des attaques lourdes. Allez, à la rigueur, avec le bazooka, l'attaque sur le côté pour pouvoir se remettre sur le terrain, ok? Attention, le combat qui commence dur. De rien. Putain, what? Fais bolos. Non! Oh! Ah non, mais je suis pas. J'ai été trop loin. Y'a rien. Oh, le cerveau il a bugué. Waouh, mais qu'est-ce que c'est que ce truc là? Ah non, je l'ai chopé. J'ai un respawn, je me fais bolos. Oh non, j'en ai fait la passe. Imparable. Non, on est fou Xul, c'est déjà beau jeu de base. Pas de problème, je t'ai tout pardonné. En vrai, ça me rappelle que je vais faire un jeu de rôle demain, et ça se passe dans le futur. Et moi, en fait, je joue à un personnage, c'est un peu un espèce de Xul à quatre bras en alien. Et le mec qui s'appelle Crunch. Et on sait tous pourquoi. C'est parce que sa mère, elle adore les Crunch, et du coup, elle lui a donné les céréales, je parle. Et du coup, elle a donné son nom à son fils comme ça. Et ce qui se passe, c'est que sa mère, elle adore les Crunch. Et son fils, il a jamais pu en manger parce que la société intergalactique Crunch, dans l'époque à laquelle on jouera, a fait faillite. Et du coup, seules quelques boîtes de crunch authentiques ont été disséminées à travers la galaxie. Il décida donc de devenir mercenaire afin de se balader de planète en planète. Et ses pires ennemis sont les riches nobles des différentes planètes qui, eux, conservent en collection des boîtes de crunch. Et le pire dans cette histoire, ce qui l'énerve le plus, c'est qu'il les mange même pas. Pour la simple bonne raison que, bah, c'est pour pas gâcher. Oh putain! Ouais, je refusais tout ça, moi. Allez, vas-y, dégagez tous là! Tout de suite. Y a-tu un souci? Est-ce que quelqu'un d'autre veut négocier? Send someone to negotiate! We're sending somebody in to negotiate! Anybody else want to negotiate? Je veux vivre. Oh, nickel. Aïe. It was at this moment Jackson knew. He fucked up. Je me suis ressenti très mal. Toi. Ta mère, tu la baises maintenant. Wow, elle me dit pas de... C'est vrai. Je vais déjà oublier. Non, je vais esquiver. Oh la vache. Wow, je me suis pris les deux d'un coup, ça fait trop mal. Allez, hop là, prends ta dose de violence. Il prend ta dose de violence. Oh non, ça c'est de la triche, ça, monsieur. Oui. Mais non, mais du coup. Ah le bâtard. On triche pas qu'à moitié ici. Non, pas moi. Putain. Il croit. Le clash. Oh la vache. Ouh. Oh la vache.
Ça m'était pas destiné cette bombe. Oh, mon dieu, je pique une nuit. Et c'est un mec qui gagne contre toute attente. C'est un mec qui a fait personne de la gueule. Avec ton vieux sourire de merde là. Messieurs, très beau match. Oui. BO3 du coup. Le premier à 3 victoires gagne et est considéré comme étant le meilleur Gzoul. Le Gzoul Master. Gzoul Master. Ok. Ok, je vais tryhard. Le Gzoul qui fait un Yosh. Oh putain. Le Gzoul qui a pas de race. Non, aucune race on a dit. Ok. Excuse-moi, laissez-moi. Moi aussi, apparemment, on s'amuse ici, donc... Oh la vache. Ah merde. J'ai plus d'armes. Hop, 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 c'est pas... Putain, je vais te faire se suicider plutôt que de faire face à ces réalités. C'est comment se relier le truc? Oh mais non! Pourquoi tu fais ça? Putain, pourquoi tu fais ça, Brooke là? Pourquoi tu fais ça? Non, Tazben, ne meurs pas! Attends, moi aussi j'entends mettre une là du coup? Non, j'ai pas envie. T'en veux pas une petite là? Ah, ouais, c'était la game de chauffe avant la dernière game. Ah, ça fait quand même deux pour moi là. Quoi? Et pour finir. Je trouve que le Gzoul le plus brillant, c'est quand même celui qui fait le plus de dégâts. Ah, mais on s'en fout, on va pas chercher Gzoul le sage, on va chercher Gzoul la castagne, tu vois. C'est... Bah, justement, Gzoul la castagne, c'est celui qui fait le plus de dégâts. Moi pas assez intelligent pour comprendre ce concept. Zul fait pour taper. En plus ça je fais une belle révérence et tout, ouais, quand je tous le gym. Oh. Moi ou sur 3 vies tous les deux, il y en a un qui s'est suicidé deux fois, l'autre une. Il est trop. L'alliance quand même plutôt Oh. Oh bah. Wow. Putain de fou les murs d'un demi-millimètre. Ouais, je serais donc le Gzoul Master. En fait, on avait reset le BO3. Quoi? Ah, du coup, c'est que je suis à deux. Ouais. Ok, bon, j'accepte le beau jeu parce qu'il y avait l'échauffement, très bien. Et aussi parce que c'était vraiment nice comme victoire. Je veux dire. Et comment vous êtes devenu chef de votre tribu? Bah, les autres se sont suicidés, étaient trop cons. C'est vrai. Vas-y, toi, tu dis tiens, je. Toi aussi, tu dis tiens, je. Putain, jeu de merde. Pourquoi le jeu veut pas que je sois au Gzoul Master? C'est pas le jeu qui veut pas. Si, vas-y, toi, tu te dégages, là. Non, je vais être transformé comme vous. Oh la vache. Oh, pardon, excuse-moi. Oh bah bravo. Bah attends, pour le nom, des fois, c'est vous qui bravo, me le faites. Bravo, bravo, bravo. Ouais. Est-ce qu'il fait ça? Allez, allez, allez. Et de toi, ta ta ta. Tu te dégages. Ah d'accord, j'ai compris la stratégie, hein, bien. T'es trop m'emmener. Oh, sois meilleur, sois meilleur, sois meilleur. Putain. Ouah, chaud. Genre, on fait pas un clash. Non, parce que je l'ai fait avant. Là, j'ai eu chaud.
Oh, c'est toi qui passe. Ah, chaud. Voilà, ça tentait le petit coup sur le côté, je l'ai vu, hein. Putain. Yes! Oui, non! Le Xulmaster, le retour! Allez. Oh, on a reset encore une fois, c'est ça? T'es à 2-0. Je vais avoir tapé plus fort! Je pensais tellement à côté. Je vais avoir être meilleur!